bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour tous les signes zodiaques, une lecture d'amour pour vous. D'accord? Merci de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partager mes vidéos s'il vous plaît. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à me contacter sur mon site de réservation. D'accord? Ok. I am just please give me a reading. Tu la trouves belle, séduisante, charmante. Vous vous êtes ici rencontrés lors d'une soirée. Ou encore, c'est peut-être l'un de tes amis qui t'a mis en contact avec elle. Et c'est un peu comme si votre relation se transforme d'abord en amitié avant d'arriver quelque part. Tu as l'impression que tu lui fais de l'effet, mais tu n'es pas vraiment très sûr de toi. On est aussi ici dans une situation où il est probable qu'il t'est important de chercher à rentrer en contact avec elle. Peut-être que tu n'as pas encore son numéro de téléphone, tu cherches à avoir son numéro de téléphone, ou tu veux rentrer en contact avec une personne pour avoir son numéro de téléphone. Elle aime beaucoup s'habiller de manière très sexy, cette fille ou cette femme. Elle s'habille pas pour son... Elle s'habille pas... Qu'est-ce qu'il fait? Elle s'habille pas en fonction de son âge. Et tu la trouves vraiment très intéressante. Mais tu as l'impression de ne rien savoir d'elle. Ça fait un certain temps que tu ne l'as pas vue. Un certain temps que tu aimerais la revoir. Ça fait ici un certain temps que tu la recherches. Peut-être même que tu l'appelles, elle ne décroche pas. Tu commences ici à devenir obsessif. Obsessif, obsédé. Tu te demandes où elle est, ce qu'elle fait. On est même ici dans une situation où on a une relation ici. À un certain moment, les choses allaient plutôt bien. À un certain moment, vous étiez ensemble. À un certain moment, vous causiez ensemble. Ou encore, c'est une femme ici qui essaye de séduire un homme. Et puis, bam! Après, on a ici maintenant quelqu'un qui se fait fantôme. Il s'éloigne, il s'en va. Impossible de l'avoir au téléphone, impossible de savoir où il est, à peine s'il répond. Les week-ends, il est inaccessible. C'est peut-être aussi quelqu'un que tu regardes beaucoup sur Snapchat, Instagram. Tu vois qu'il s'amuse sans toi, qu'il vit sans toi. Tu aimerais bien le revoir. Enfin, tu te demandes ici si tous les deux, vous aimeriez bien vous revoir. D'accord? C'est ici pour une situation sensuelle, sexuelle, you know. À un moment même ici, tu te dis, bon, si c'est juste pour un soir, si c'est juste ici un moment de faiblesse, pourquoi pas? Tu as rencontré une personne, mais tu n'arrives pas à savoir si cette personne est vraiment l'amour de ta vie. Aussi, cette personne est juste un plan cul. Si tu as un homme, c'est ce que tu te demandes vis-à-vis d'elle. Tu veux savoir si c'est une femme facile. Si vous allez ici pouvoir être intime rapidement. Passer à autre chose. You know. En même temps, tu te demandes si elle sera capable de te séduire à travers le sexe. Comment c'est d'être intime avec elle? Comment c'est d'être sensuel avec elle? Si tu veux ici savoir s'il y aura des possibilités pour que vous soyez ensemble, il y aura de très fortes possibilités, effectivement, pour que vous soyez ensemble. Très fortes possibilités que vous entamiez même ici une relation plutôt sexuelle. Tu peux avoir affaire à quelqu'un qui est capricorne. Ou encore, c'est ici une personne avec qui tu as eu déjà ce genre de relation. Ça aurait dû être une relation plutôt
sérieuse, mais ça s'est terminé en plan cul. Et on a cette même personne-là qui veut revenir dans ta vie parce qu'on a ici cette personne-là qui veut tout reprendre à zéro. Donne-moi une deuxième chance. Je veux être dans ta vie, je veux être le père de tes enfants, peut-être aussi que vous avez un enfant ensemble. Je veux être là pour toi. Fais attention à ne pas tomber enceinte d'une personne. Fais attention à ne pas être intime avec quelqu'un sans te protéger, surtout si tu ne veux pas tomber enceinte. Parce que je ne vois pas vraiment le mariage dans cette situation. Je ne vois pas vraiment la stabilité dans cette situation. On a ici quelqu'un qu'il te faut toujours apprendre à connaître. Ne te lance pas dans une relation rapide ici avec quelqu'un à la dernière minute. Ce n'est pas conseillé. Laisse quelqu'un te courir après. Laisse-lui te faire la cour. De toutes les manières, c'est ce qu'il a envie de faire. Laisse-lui te faire la cour. Laisse-le te prouver qu'il a envie de toi, qu'il veut faire de toi sa reine. Parce que de toutes les manières, tu es ici dans une situation où tu es déjà prête à te marier. Tu es prête à te marier. Tu es prête à faire tes enfants. Si ce n'est pas mariage, tu es ici prête pour une relation sérieuse, mais en même temps une relation excitante. Tu n'as pas envie d'être dans une relation ennuyeuse, qui n'aboutit à rien, qui n'emmène nulle part. Tu n'as pas envie de ça. Tu veux une relation excitante. Si tu as ici un homme, c'est ce que tu recherches, une relation excitante. Je veux pas qu'on parle de documents, je veux pas qu'on parle de papier, je veux pas qu'on parle de restrictions, je veux juste qu'on s'amuse, qu'on vive. Rien que toi et moi, je veux te montrer un peu, je veux te donner un peu de bon temps. Viens passer du bon temps avec moi. C'est ce que je veux t'offrir. Donc ne commence pas à m'embêter. Avec tes demandes de mariage. Tu sais qu'il ne veut pas une relation sérieuse, qu'il n'est pas prêt pour une relation sérieuse. Donc, il va falloir que tu te poses des questions. Tu es aussi ici dans une situation où on a quelqu'un qui n'arrête pas de te faire voyager parce qu'il veut être intime avec toi. C'est tout le plan qui est là. À chaque fois qu'il te fait voyager, c'est parce qu'il veut être intime avec toi. Rien de sérieux. Mais peut-être aussi que tu paniques un peu trop à vouloir mettre, envoyer une relation à un autre niveau au lieu de chercher à bien t'amuser. Amuse-toi avec lui. Amusez-vous. Voyagez le monde ensemble. Vivez ensemble. Le reste, ça vient après. Peut-être aussi que c'est dans une situation pareille que tu te trouves déjà depuis un certain temps. Ça va faire quoi? 5 ans, 8 ans, 9 ans que tu es dans la même situation. On s'amuse tout le temps, on voyage ensemble, on fait les choses ensemble, mais je ne sais toujours pas ce qu'il ressent pour moi. Tu as ici quelqu'un d'autre qui veut être en couple avec toi, mais tu le rejettes. Tu as ici quelqu'un d'autre qui veut t'aimer, mais tu le rejettes. C'est peut-être ici quelqu'un qui a les moyens. Tu n'es pas intéressé. Tu n'as pas envie de prendre cette route. Tu veux passer ailleurs, tu veux partir ailleurs. Tu as ici un scorpion qui veut faire surface, qui veut rentrer dans ton énergie. Et là, maintenant, tu es déboussolé, tu ne sais plus quoi faire. Plus le temps passe, plus tu te rends compte que peut-être tu dois choisir quelqu'un d'autre. Mais si tu choisis la deuxième personne qui vient vers toi,
tu ne seras pas déçu. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine fois pour la suite. Bisous, bye.